1, 2, 1, 2. Et là, on m'entend. Allez, on va faire les trois reconstitutions avant. Le tueur entre dans la boutique. Madame Asher se retourne et accueille son client. Le meurtrier lui demande du tabac. Elle lui tourne le dos. Il en profite pour la frapper. Il finit par poser l'ABC à l'envers avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Le meurtrier passe derrière elle, puis l'attaque par surprise. Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Sir Carmichael fait sa promenade habituelle. Notre tueur est caché derrière un buisson. Le vieil homme suit tranquillement le chemin du gravier. Puis, il se tourne vers la mer pour la contempler. Le tueur sort de sa cachette par la droite. Il s'approche silencieusement en marchant sur l'herbe. Puis, il se précipite sur sa proie et égorge le pauvre homme. Il finit par déposer l'ABC avant de partir. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qu'il s'est exactement passé. Le micro de son support pour que je puisse l'avoir en main. Je suis en train de faire des bêtises. Hein? Mais oui, quel idiot. Ah, alors, attends. Ah, hein. Oui, je peux mettre ça là. Du coup, c'est sans importance. Il faut pas que je tire trop non plus. Enfin bon, tant pis. Alors, suite de l'enquête. Je vais essayer d'être pas trop brouillon. C'est bien, le jeu tombe à point nommé. J'en ai besoin pour me changer les idées, là. Ça va me faire un grand bien. J'espère jouer au moins 90 minutes. Le téléphone sonne dans le hall.
Allô? Poirot? C'est vous? Ici Hastings. Merci d'appeler. Vous n'avez pas reçu de nouvelles lettres de l'assassin? Oh non, Dieu merci. Comment vont les choses à Churston? J'ai interrogé Lady Clark, mais je ne partirai pas sans avoir inspecté tout ce qui m'intéresse ici. Par chance, Franklin est absent, et je dispose d'un passe-partout. Avez-vous revu Thora Gray? Brièvement. Mais réjouissez-vous. J'ai l'intention de la convoquer bientôt à Londres. C'est une fille fascinante. Mais dissimulée. J'aurai quelques questions à lui poser. Poirot, je sens qu'elle est incapable du moindre mal. Chacun ses sympathies, mon ami. Les vôtres vont aux belles orphelines, les miennes aux vieilles dames malades. Poirot, vous vous moquez de moi? Sans malice aucune, soyez-en sûr. À bientôt, mon ami. Oh! Oh merde! Une énigme! Ne me dis pas qu'il y a une patte du meuble qui se dévisse. Vu la gueule des pattes, je n'y croirais pas! Quatre symboles chinois sont gravés sur ce cadenas. Oh merde, j'ai étudié le japonais, moi, monsieur. C'est vrai, en plus. Le chinois, c'est pas pour moi. Moi, j'ai fait japonais, moi, monsieur. Oh là 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 là. Tiens donc, le caractère gravé sur ce disque ressemble à ceux gravés sur le cadenas. Oh, bah si c'est... C'est cucu la praline, si c'est ce que je pense. Ah, doit y avoir une rotation de... Comme ceci. Ce caractère semble bien orienté. Oui, attends. Je vais déjà mettre les disques dans le bon sens par rapport aux idéogrammes. Voilà, comme ça. Comme ceci. Ce caractère semble bien orienté. Oui, ça va. Là c'est une énigme cucu la praline. Voilà, ce caractère semble être dans le bon sens. Alors, est-ce que j'ai tout remis dans le bon sens? Ah, peut-être pas celui-là. Ah, qui est comme ça. Voilà, ce caractère semble être dans le bon sens. Et là, j'ai la combinaison complète. Très bien, tous les cercles sont bien orientés. Que m'apprennent-ils? Je te le fais pas dire. Alors, mémorise. Truc. Ok. Ok. J'essaie de refaire de mémoire. Ok. Ouh. Celui-là. Oh, ça va, c'est gentillet. C'est vraiment gentillet. Merde, ça y est, j'ai déjà un doute. Non, j'en ai interverti deux, je crois. C'est ça. Voilà. Ouais, ça va. Ça ne demande pas un grand effort de mémoire. L'armoire est ouverte. Je t'ai dit que cette énigme était cucu la praline. Casque, gourde et fusil. Franklin est bien équipé. Ah, c'est un chasseur. Quoi? Hong Kong. Voyage en Chine. Un guide pratique pour les voyageurs anglais. Ok. Bon, il adore l'Asie, la Chine. On a un petit les peu compris. Les enfants du chemin de fer. Hein? Mais les meurtres sont liés par des abécédaires de chemin de fer. C'est une étrange circonstance que lui ait un ouvrage sur les chemins de fer.
Pure coïncidence? Quoi? C'est un roman anglais sur les terres anglaises? Raffiné et sauvage. Redécouvrir la campagne anglaise. Effectivement. Les enfants du chemin de fer. Ah oui, merde, j'ai pas manipulé le bouquin, pardon. Offert à Franklin par tante et fille, Noël 1910. Tante et fille, ok. Oui, alors attends, je reverrai les fiches des personnages après, là, parce que ça me retourne déjà le cerveau, l'enquête. Inspecter le manoir, oui, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Et c'est que la première pièce. Ah, je vais me taper tous les puzzles à la suite. Oui, Word. Ah, il y a quelque chose. Cette plaque semble pouvoir bouger, mais elle est bloquée par quelque chose. Ah oui, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que cet étrange dispositif? C'est quoi ça? Cette plaque semble pouvoir bouger, mais elle est bloquée par quelque chose. Attends, faut que j'essaie de deviner comment fonctionne le bazar. Oh! Il doit me manquer quelque chose pour continuer. Effectivement. On va remettre ça en place? Non, je peux pas. Non, je peux pas. D'accord. Ça, c'est pas un bouton. Que ça apparaît de manière tellement nette que ça m'intrigue. Alors attends. Oui, on est d'accord, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh! Ça a bougé? Cette plaque semble pouvoir bouger, mais elle est bloquée par quelque chose. Ou alors j'étais victime d'un bug graphique. J'ai cru voir le panneau coulisser. Waouh! Ouais, tant pis. Je vais passer à autre chose parce que, à mon avis, il me manque un objet précieux. Oh vache. Juin 1920, Alaska. Oh! Globe terrestre. Franklin semble être très actif. Bah, les fusils déjà... Ça intrigue. Ouais. Quoi? Sportif? Ah oui. Franklin Clark semble être le type même du gentleman britannique. Grand sportif, chasseur, voyageur. Franklin Clark semble être le type oui, même merci. Du gentleman britannique. Grand sportif, chasseur, voyageur. Monsieur Poirot, vous me décevez. J'ai cru qu'en cliquant ici, vous alliez m'apprendre de nouvelles choses. Je suis déchu. Oh non.
Je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je visite les autres pièces avant de revenir à celle-là. Parce qu'il me dit qu'il me manque un objet que j'ai pas trouvé. Est-ce qu'il m'autorise à sortir de la pièce? Parce qu'il m'a fait le coup avec la chambre de la victime. Ah oui. C'est-à-dire que je vais sûrement trouver l'outil dans un autre endroit du manoir. C'est quoi ça? C'est la valise? La valise RTL. Comment vais-je ouvrir cette malle? Examinons-la. Oh putain! Oula! Oui, non, mais y a rien. 1927 en Chine, ouais. Oh, 1927. Cela ne me paraît pas être utile. Ok. Ah, il faut reproduire 1927 parce que c'est son année en Chine, c'est ça? Allez hop, je mets 27 et hop, ça va se déverrouiller. Je pense que c'est aussi bidon que ça. Du moins, je l'espère. Ah, ça se tourne que dans un sens. Merci, c'était aussi bidon que ça. Laissez le code sur la malle. Quel étrange personnage, ce Franklin. What? Non, attends. 31. What the fuck? Là, je comprends plus, hein, pardon, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, comme si on indiquait une heure. Oui, c'est bidon. Ah si, je peux la rebouger, d'accord. Ah, soupir. Non, celui-là, j'ai plus le droit d'y bouger, de le bouger. Peut-être une heure que j'ai loupé là-dedans, non? Oh non, j'ai plus le droit de. Je comprends pas. Ouais, de toute façon, je peux indiquer toutes les heures que je veux. Alors, au pire, mais c'est couillon. Je veux dire, il y a de la non-recherche. Si je m'amuse à faire tout, voilà, tous les créneaux horaires, 5 minutes par 5 minutes, bon, bah, j'aurais vite fait le tour du cadran. Mais j'aimerais trouver par logique. Ah, bah c'est ça en fait. C'est ce que j'ai remué. Il faut mettre 7h. 7h20. D'accord. Ok. Alors attends. D'accord. Quel est donc ce bruit? C'est encore plus bateau que ça en fait. Comment dire? Chercher midi à Je dois 14h? pouvoir ouvrir la malle maintenant.
Ah oui, ouvre la malle, allez, j'ai gagné quoi? Un voyage aux Açores. Mais Poirot, t'y mets pas du tien. Mais laisse-moi faire la rotation de l'objet, Trouduc. Ne me dis pas que le jeu a planté, hein. Et voilà. Ah, joie. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pile de livres, dont un sur les dragons. Rien d'intéressant. Ok. Ne comprends pas. Comique. Comique troupier. Ah, c'est des boutons poussoirs en fait. Enfin, faut vraiment cliquer dessus. Bah, il s'en sert pas de son meuble. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un autre cadenas asiatique. Pourquoi Franklin a placé une clé Allen à l'intérieur de sa malle? Je l'emprunte un instant. C'est une clé, ça? J'ai cru que c'était le cadenas asiatique. Oui, bah, il a caché ses meilleures crues. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Du whisky et autres Peut-être. boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Mais on a compris. Bah, faut remarquer qu'il n'est pas poivreau parce que les bouteilles sont remplies, donc il doit pas recevoir souvent. Hein. Il doit pas recevoir souvent. Quoi, j'ai pas fini? Ah oui. J'ai pas fini. Ah, c'est ça le coup de la clé. Déconne pas. C'est Une clair. clé Allen. On peut la mettre dans 5 positions. Oh merde. Alors, cette clé Allen provient de la main de Franklin Clark. On dirait qu'on peut la mettre dans plusieurs positions. Oui, il a dit 5, Poirot. Oh merde. Comment ça marche? Faut que j'obtienne un triangle. Pardon. Comment j'obtiens un triangle avec ce machin-là? Ah bah, c'est ça. Et comment je fais pour... Comme ça? Faut que je prépare là. Une clé Allen. Non. Ah, il faut que je clique sur la main. Oh putain. Oh, c'est abusé. Voilà, c'est comme ça que je la veux. Merde, c'est coup faire coulisser, glisser, déposer. Je vais y arriver. Voilà, merci. Ah, oh, miracle. Oh, c'est stylé. C'est stylé, mais je vois pas en quoi ça fait avancer mon enquête de la déployer à la table. Je ne comprends pas. Du whisky et autres boissons de qualité. Monsieur Clark a vraiment des goûts raffinés. Pardon, mais là je pige plus. Je suis content d'avoir la clé, mais à quoi ça m'a servi de déployer la table? Oh, c'est pas vrai! Le jeu est pas fini. Une clé Allen. On peut... C'était ça? Ah oui, apparemment c'est la même forme. Ah, ça se dévisse. Encore une vis. Punaise. Oh. Alors, je dois reconnaître que le procédé est sacrément ingénieux.
Cette gravure n'est pas très compréhensible. Je devrais arranger ça. Mais il est génial ce meuble. Il doit coûter la peau des fesses pour être poli. Oh, c'est la map monde. C'est bloqué. Non ? Attends. Ah, oh ! Ça vient par gros morceaux. Mais non, c'est pas la map monde. C'est quoi ce délire ? Attends. Oh là là, je suis gravement perturbé là. Ah, oui, alors faut partir du centre, on voit que ça correspond. Quand je fais pivoter ça. Voilà, c'est ça. Je suis en bonne voie. Ça correspond à ça. Ça correspond à ça. Et ça, c'est comme ça. Non, merde. Je me suis trompé. Mais non, mais. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Attends. C'est presque ça. Non, ça on n'y touche pas. C'est bloqué. Et ouais. Ah, mais c'est le Royaume-Uni. Je ne comprends que c'est le Royaume-Uni. Oh, j'ai pas l'air con. Attends. Quand je bouge ça, les deux bougent en même temps. C'est nul. Attends. Oh là là, c'est pas facile votre truc. Ah, attends. Non. Comme ça. Voilà, ça c'est le Royaume-Uni. Merde. Ah mais merde. Pourquoi ça bouge ça? Ah, d'accord. Il y a tout ça qui bouge en même temps. Oh, ça me retourne le cerveau, leur machin. Eh, calmos, il est fou, lui. Presque. Merde. Merde, 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 et merde. Je vais passer une heure sur cette connerie d'énigme. J'ai compris le principe, mais je ne maîtrise pas, en fait. Waouh, comment ça retourne le cerveau. Ah, c'est bon. Franklin doit vraiment aimer son pays pour avoir une gravure dans sa malle. Je pense avoir entendu que la trappe au-dessus s'est déverrouillée. Waouh. Au-dessus, c'est déverrouillé. Ça ? What ? Oh ! Une chevalière ! Mais on va de surprise en surprise ! Une chevalière avec un code inscrit dessus. 1587. Elle pourra peut-être me servir. 1587. Ah, carrément, il se sert. Ok. Ah, alors attends, je vais aller dans la pièce dont j'ai pas pu ouvrir le meuble parce que je suis sûr que la clé est dans le pot. Là, non ? Ah, à un moment, je m'étais persuadé qu'il y avait une clé dans le pot. Attends, voir. Le meuble là, j'ai pas pu l'ouvrir. Je suis sûr qu'il dissimule quelque chose. La porte est fermée à clé. Ah ouais, mais il s'en bat les steaks. La porte est fermée à clé. D'accord, il cherche pas à l'ouvrir. La collection de Sir Carmichael pourrait rivaliser avec celle d'un grand musée. Oui, bah, je vais retourner à la carte murale et je pense que la chevalière va m'aider. Donc c'est quoi le code ? 1500 quoi ?
Une chevalière qui porte les armoiries de la famille Clark. Un nombre y est inscrit. 1587, ouais, c'est ça. 1587. Voilà. Les plaques autour du tableau ont l'air de s'être déverrouillées. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces symboles sur les trophées de Franklin. Oh merde. Oh merde. Moi, je les ai pas vus. Pardon. Mais quel trophée? Mais où est-ce qu'il a vu les symboles sur ces trophées? Ah oui! Février 1922, Afrique du Sud. Donc, là, j'ai la biche. Mais il n'y a que deux trophées. Ah non, il en a plein dans la baraque, je suis con. Mais oui, il y a l'ours. Alors, il... Mais c'est à la disposition que je comprends pas. Oh non. À chaque trophée correspond une année. Putain, il faut que je prenne un papier et un crayon. Ça y est, j'ai compris. Oh merde! Merde, merde, merde! Oh la vache! Minute papillon, je n'ai... Alors, si, j'ai un papier, mais j'ai pas le crayon. Si, bah si, tout est devant moi. Ah! Soupir, soupir, soupir! Alors, voilà, papier. Alors, attends, je vais écrire la biche. La biche, l'ours. À un moment, il y a un... On va dire félin. Je vais être neutre, je vais écrire félin. Je crois que c'est un... C'est peut-être une lionne, je sais plus. Enfin bref, on va voir. Je vais faire le tour de sa baraque. Février 1922, alors, Afrique du Sud. Fève. 22. Je vais même noter la localisation Afrique du Sud. Ok. L'ours, c'est l'Alaska, je m'en souviens, mais j'ai plus l'année. C'est pas 1922? En juin 1922, non? Ou juin 1920? Juin 1920, ah. Alaska. Ma mémoire est pas trop mauvaise. Juin 1920, Alaska. Oh putain. Rien n'est... Mais c'est... franchement, c'est pas con. Hein. Je reconnais qu'il y a, il y a un côté astucieux à la mise en place de l'énigme et de, du code. J'aime bien. Ah, putain, je vais retourner dans le salon et dans le couloir. Alors, dans le couloir, on a quoi comme trophée? Comme, oui. Il y a la lionne, là. Enfin, je crois que c'est une lionne. Le félin, il dit quoi? Avril 1925. Province d'Aceh, Sumatra. Avril 1925, Aceh Sumatra. C'est en Afrique, ça? Mais qu'est-ce que j'écris, moi? Sumatra. Comment on écrit Sumatra? Sumatra? Avril 1925. Ah, j'ai mal écrit Aceh. Province d'Aceh, Sumatra. C'est A-C-E-H et non pas A-S-E-T. A-C-E-H. Oh là là, mon gribouillis sur le papier ne ressemble plus à rien. C'est l'énigme du Da Vinci Code. Allons dans le salon voir les autres trophées. Ah bah le salon il doit être bourré, il y en a moins. Oh non, c'est pas apparent. Tiens, j'ai pas fait attention à cet ouvrage. Sur le présentoir, c'est quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait un truc mystique. Collection privée de Combside, acquise depuis 1920. Ouais, ça correspond. Le catalogue de la collection de Sir Carmichael Clark. Ouais. Ça correspond aux pièces qu'il a dans cette demeure. Bah, il n'y a pas d'autre. Pardon. Oh, c'est stylé. Ah, j'avais pas observé.
Je croyais l'avoir fait quand je les avais interviewés. Interrogés. Interviewés. Putain, le con. Boussole indique le sud. Bronze et magnétite. Dynastie Han, vers 210 avant Jésus-Christ. Acquisition Hong Kong 1935. Il y a là des objets de grande valeur. Je vois des papiers qui n'étaient pas là lors de ma première visite. Ah oui. Rapport d'expertise. Bien. Terrain à bâtir 6 à Combside, Sherston. Client Sir Carmichael Clark, 15 avril 1935. Wow. Kurt and Brunskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser? Étrange. Ces dagues ne sont que des armes de parade. Je ne pense pas que l'arme du crime soit ici. Oui, mais il en manque une. Ces dagues ne sont que des armes de parade. Attends. Ça peut-être. Rapport d'expertise. Kurt and Brunson. Oui, d'accord. J'arrive pas à comprendre où est le troisième élément qui m'échappe. À part le fait qu'il manque un couteau. Là, clairement, je comprends pas ce qui me reste à observer. Juste, peut-être le manche du couteau. Ces dagues. Non, c'est pas ça. Bah, je glisse ma souris, on voit que le curseur de la lunette reste, enfin de la paire de lunettes reste la même. Donc ça désigne un objet. Ah oui. Quel est le troisième élément qui échappe à mon attention? Je suis débile ou Ah, je suis débile. D'accord. Ernest Logan, MD, Institut de cancérologie de Brighton. 201 Duss Road, Brighton, Sussex. À l'attention de Sir Carmichael Clark, MD Combside Sherston, Devon, Brighton, 5 janvier 1935. Chers confrères et amis, à l'homme de science que vous êtes, je dois une parfaite franchise. Votre épouse Lady Clark est atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale. J'avoue n'avoir rien soupçonné de son état lors des premiers examens, mais les résultats d'analyse que je reçois aujourd'hui ne laissent malheureusement aucune place au doute. J'estime l'espérance de vie de votre femme à 1 an. L'hospitalisation ne changerait pas grand-chose dans son cas. Je vous conseille donc de la soigner à votre domicile et de lui faire administrer toute la morphine nécessaire pour adoucir ses derniers instants. Recevez, très cher ami, l'expression de mon estime et de ma compassion. Ernest Logan. De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Oui. Donc, il n'y a pas de trophée de chasse dans le salon. Ah, l'horloge. Ah non, l'horloge est parfaitement singulière.
beau ça. J'avais pas regardé sa map monde géante. Stylé. D'accord. Carte chinoise traditionnelle, fac-similé, le sud est en haut de la carte. J'ai théoriquement tous les éléments en main pour résoudre l'énigme de ça. Du moins, j'ose l'espérer. Merde, homme! C'est pas ça que je voulais Une faire. chevalière qui porte. Ouais, 1587. D'ailleurs, je vais me le noter parce que je vais l'oublier. Les plaques autour du tableau ont l'air de s'être déverrouillées. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces symboles sur les trophées de Franklin. Le lion de Sumatra. Pardon. Ah, la lionne. Oui, à A7. Mais j'ai pas compris le. Attends, l'Alaska, je sais où c'est. Il faut que je mette l'ours, c'est ça? Alors, en Alaska, il faut que je mette l'ours. Oui, bah c'est ça l'ours. Non, j'ai pas compris comment j'ai fait mon affaire avec le lion. Enfin, la lionne. Je suis désolé, mais j'ai pas capté. L'autre, c'était quoi? En Afrique du Sud, il y avait la biche. Voilà. Ah, faut faire coïncider Afrique du Sud. D'accord. C'est d'accord. Ah, si, c'est ordonné. Le coudou d'Afrique. D'accord. Donc le l'ours en Alaska. Bah oui, c'est ça et ça. On est d'accord, l'Alaska est là. Alors là, j'ai pas capté là. L'ours Kodiak d'Alaska. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux l'énigme. Oui, d'accord, j'ai fait la ligne ours. Ok. J'ai entendu le son d'un mécanisme. Oh! Curieuse façon de protéger son coffre. Trianguler ses lieux de chasse sur une carte. Bon, et le code, c'est la chevalière, donc c'est 1587. Oh là 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 là. Ces documents vont très certainement m'aider pour la suite de l'enquête. Ben j'espère bien. C'est tellement dissimulé. Une dizaine de souverains en or, quelques actions de la Southern Railway. Et des bons du trésor. Tout cela ne vaut pas grand-chose. À peine de quoi justifier un cambriolage. Collège d'Eton, année scolaire 1912-1913, Franklin Clark.
Carnet de notes de l'élève Franklin Clark. D'après ses professeurs, Franklin était un élève doué mais indiscipliné. Monsieur Carmichael Clark, Combside, Churston, Devon, à l'attention de Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Combside, 12 janvier 1935. Cher Franklin, avant tout, meilleurs vœux pour cette année qui commence. J'ai reçu ta lettre du 10 décembre. Merci d'avoir défendu mes intérêts face à cette crapule de Wang Xing. La situation aurait très mal tourné si tu n'avais agi avec ton sang-froid ordinaire. C'est une qualité que je t'envie. Ici, les choses suivent leur train ordinaire. Charlotte souffre moins. J'aimerais te donner de meilleures nouvelles. Te souviens-tu de Thora Gray? C'est vraiment une fille charmante et tu n'imagines pas à quel point sa présence à mes côtés me réconforte. Que ferais-je sans elle dans ces moments difficiles? Elle a un goût très sûr et partage ma passion pour l'art chinois. Ma propre fille ne me témoignerait pas plus de sympathie ou d'affection. Elle n'a pas toujours eu la vie facile, et je suis heureux qu'elle ait trouvé un foyer chez nous. Tu m'écris que tu souhaites rester encore en Chine un an ou davantage. Je n'ai pas d'objection. Plus longtemps tu restes, plus tu auras d'opportunités pour augmenter nos collections. Tu dois pourtant savoir que tu nous manques et que Charlotte ne sera plus de ce monde quand tu reviendras. Je reste, cher Franklin, ton frère affectionné. Lettre de Charlotte Clark, Combside, Charleston, Devon, à Monsieur Franklin Clark, Hôtel Peninsula, Hong Kong, Combside, 1er janvier 1935. Cher Franklin, je te souhaite du fond du cœur une très bonne année 1935. Alors que je rédige mes cartes de Nouvel An, j'ai une pensée particulière pour toi, toujours souriant, toujours naïf, qui t'en va dans les pays lointains et en revient avec des malles pleines de merveilles. À la maison, tout m'irrite. À commencer par cette petite Thora Gray dont Carmichael fait si grand cas. Je n'ai personne à qui me confier. Je t'écris donc. Comment le dire simplement ? Je suis condamné. Je n'ai plus qu'un an à vivre. Comment le sais-je? J'ai ouvert le meuble de Carmichael et j'ai lu une lettre qui ne m'était pas destinée. Une lettre où le docteur Logan annonce sans embâge à mon mari cette vérité qu'il me cache à moi. Donc, je sais, mais mon mari ignore que je sais. Ne le lui révèle pas, je te prie. Et s'il t'annonce la nouvelle, fin d'être étonné. Il le fera sans doute à sa manière, contourné, mais moi, je voulais être la première à t'en parler. Il est important pour moi que tu saches exactement ce qui se passe à Combside. Avec toute mon affection, Charlotte. Bon, bah on a appris beaucoup. On a appris beaucoup. C'est quoi ça déjà? Ah bah oui, c'est le passe-partout. Ce passe-partout va m'être très utile pour ouvrir les serrures qui me résistent encore. Oui, sans le savoir, il me sert déjà à passer d'une pièce à l'autre. Suis-je bête? Oui, mais j'ai plus rien à y faire, on est d'accord, on peut fermer le coffre. Oui, j'ai plus rien à y faire. Qu'est-ce que je fais? Je peux m'absenter? Je pense que j'ai tout fouillé, non? Que dit Poirot? De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Ah! Je serai distrait à ce point? Qu'est-ce que j'ai omis d'observer? Parce que là, c'est quand même le poteau rose, le coup des lettres. Et il y a le... Voilà, il y a ça qui me dit que...
que le fiancé de la deuxième victime travaillait. Il y a un lien avec le troisième meurtre. Il y a un lien qui relie le deuxième et le troisième meurtre. C'est ça. Rapport d'expertise. Bien. Merde, pardon. Kurt and Brunskill. Cela me dit quelque chose. N'est-ce pas pour ce cabinet que travaille Donald Fraser? Oui, bah, faut aller à Kurt and Brunskill. C'est ce qui lie les deuxième et troisième meurtres. Oh, ce bruit d'horloge me rend fou. Ah, j'ai pas fouillé le meuble là. Non, je viens d'entrer dans le salon. Oh, je croyais que j'étais en train d'ouvrir le meuble qui était au premier plan là. Ah, attends voir. Mais j'ai pas fouillé le meuble de l'entrée. La malédiction du dragon noir. Pour Franklin qui ne grandira jamais. 25 janvier 1928. Car Charlotte. Mademoiselle Thora Gray, Combside, Churston, Devon. Trioxyde d'arsenic, thallium. Ah, et le premier meurtre, la femme buraliste, elle avait un problème de gorge, elle se faisait soigner avec le même produit, je crois. Ou c'est la même entreprise pharmaceutique? Attends, quel est le lien entre la pharmacie qui livre les médicaments et l'entreprise d'analyse immobilière là, le Cort et je sais plus quoi? C'est bizarre. Le point commun qui relie les trois meurtres, les trois affaires, c'est lié à la voix. Ou à la gorge, on va dire. C'est comme si le mobile de l'assassin, il était motivé à se venger de ceux qui sont liés à tout ce qui est cancer de la gorge ou extinction de voix. Donc la première vendait du tabac, bah voilà, elle vend le poison. Le deuxième meurtre, c'était la jeune fille qui voulait chanter « Assassinée sur la plage ». Elle avait effectivement des problèmes de voix, mais je ne sais... J'ai pas souvenir si c'était la maladie du genre cancer de la gorge qui la guettait, ou... elle buvait pas, elle était pas alcoolique, la jeune fille, donc c'est pas ça. Et le troisième meurtre, c'est un spécialiste, justement, des poumons et de la gorge. Et en sa demeure, il y a cette substance qui provient du même groupe pharmaceutique. Est-ce que l'assassin aurait pas trouvé ses trois victimes en ayant accès au registre client de la pharmacie, enfin du groupe pharmaceutique? Enfin, j'ai mis des hypothèses. Comme dirait Poirot, je remue mes ninges dans mes petites cellules grises. Mieux vaut la laisser dormir à présent. D'accodac. Donc, est-ce qu'on peut en conclure que j'en ai terminé avec tous les indices à récolter? Yes or not? De l'ordre et de la méthode avant tout. Terminons d'examiner le manoir tant qu'il n'y a personne. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui a échappé à ma vigilance dans mes investigations? Oui, inspecter le manoir, j'ai pas fini. Qu'est-ce qui a échappé à mon regard? Faut que je remate la table au centre? Ah, mais oui, mais j'ai pas vu qu'il avait posé un bouquin et une dague entre temps. Oh là là, ça m'est passé devant sans que j'y prête attention. Alors que c'est flagrant.
Comment ça, longue vue? À l'attention de Franklin. Liste de tâches. A. Commander médicaments Lady Clark. Fait. B. Trier les dossiers relatifs aux biens fonciers. Fait. C. Appeler le notaire au sujet de l'inventaire. La fessée. Fait. D. Mettre à jour la liste des métayers. Fait. E. Mettre à jour la liste des fermages. Fait. F. Renouveler le stock d'arsenic. Fait. PS. J'ai laissé sur la table du salon quelques objets dont je veux me séparer. Je suis sûr que vous comprendrez pourquoi. Thora. Ah, la broche. La broche qu'elle portait. Un dragon obscur pour une fille aux cheveux de lumière. C. Tiens, tiens. J'ai déjà vu des dagues semblables. Bah, et comment? C'était dans le meuble. Il prend la dague? Non, il prend pas la dague. Enfin, tu me diras, en même temps, c'est une preuve matérielle. Faut peut-être pas la toucher, mais... Oui, d'accord. Mais dague semblable, elle est là-bas. C'est rangé dans le meuble. Voilà. Ces dagues ne sont que des armes de... Oui, l'arme du crime n'est pas là. De l'ordre et de la méthode avant tout. Mais qu'est-ce qui m'a encore échappé? Ça va me rendre fou! Ce manoir et cette enquête vont me rendre complètement barge. Qu'est-ce qui a échappé à ma vigilance? C'est quand même pas le dessus du meuble que j'ai zappé. Non, oui, il me parle du dessous, mais j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui a échappé à ma vigilance? Je retourne au bureau. Là, je... J'ai le cerveau qui gamberge. Non, mais j'ai déjà tout fait. Mais oui, j'ai déjà tout fait. J'ai analysé 4 sur 4. Je ne sais plus. Franklin Clark semble être le type même du gentleman britannique. Ouais, ouais, ouais. Grand sportif, chasseur, voyageur. Effectivement. Voilà, je tourne en rond, je ne comprends plus. Non, mais j'ai plus rien à faire dans cette pièce. Je vois pas ce que je peux y faire de plus. Enfin, y a rien d'apparent. Je ne comprends pas. Je vais quand même pas me barrer. Je ne vais pas quitter Combside maintenant. Il me reste des choses à faire. Ah oui.
Mais quoi? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Pareil, là j'ai tout analysé, donc c'est débile. Là il va me dire qu'elle doit dormir. Mieux vaut la laisser dormir à présent. Bon, je vais laisser Poirot s'admirer dans la glace là parce que j'ai le cerveau qui part en béchamel. Quoi? Le téléphone? Pardon? Mais il ne lui sera d'aucune utilité. La porte est fermée à clé. Ne me dis pas que c'est aussi con que ça. C'est aussi con que Ce ça. meuble contient les dossiers des patients de Sir Carmichael Clarke. Examinons-les de près et voyons si je trouve des noms connus. Pas de poussière sur les dossiers de A à D. On les a manipulés récemment. Oh. Aucun nom connu. Décevant. Oh. Oh merde. Beaucoup de poussière. Les dossiers de E à Z n'ont pas été touchés depuis des années. Aucun nom connu. Décevant. Ah. J'ai le droit d'analyser les... J'aime bien, puis il laisse tout ouvert et ventré, le mec. Non, non, j'ai rien fait, monsieur. J'ai tout foutu en l'air, mais j'ai rien fait. Ah, bordel. Oh là 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 là. Excellent jeu. L'enquête, j'adore, D'où mais... vient cette horrible odeur de charogne? De charogne? Oh, ne me dis pas qu'il y a un nouveau cadavre. Oh là 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 là, vite, monsieur Poirot. Hâtons-nous, hâtons-nous. Où est le macabé? Quelque chose me met mal à l'aise. Oui, la jardinière a été bousculée. Ah! Voilà le... Des granulés bruns. Oui, c'est de la mort. Répugnant. Des granulés bruns. Répugnant. J'aime bien les... Enfin de... Cette jardinière ne respecte pas l'alignement. Tu m'étonnes. Ah, voilà qui est mieux. La symétrie est respectée. Ah, voilà qui est mieux. La symétrie est respectée. Pardon? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Non, rien d'anormal. Oh, stylé! Mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, attends. Hercule Poirot avait des observations à faire. Cette fontaine produit un son très relaxant. Cette glycine de Chine est en pleine floraison. Rien sur les bancs. Oh, il y a une verrière. C'est sans doute le jardinier qui a allumé ce feu. Tiens, tiens,
Se pourrait-il qu'on ait voulu se débarrasser de ces papiers? Cet objet me sera certainement utile. De quoi parle-t-il? Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Oh non. Faut reconstituer la lettre déchirée. Ah non. Pas du tout. Oh là là, je vais aux fraises, moi. Alors, question. Oh là là. Ouais, cellule grise. Pourquoi Thora a-t-elle laissé à Cumberside des objets qui lui appartenaient? Bah parce que c'était des objets pour la séduire et elle a refusé de s'accoupler avec lui. Alors, 6 éléments de preuve. Thora a laissé les cadeaux de Carmichael. Carmichael a écrit à Franklin pour lui dire qu'il trouvait Thora charmante. Thora Gray est une experte en histoire de l'art. Ah ouais. Ah, j'aurais pas conclu ça, moi. Thora a laissé une lettre derrière elle. Thora Gray est restée pour régler les affaires de Carmichael. Il manque une dague dans le présentoir de Carmichael. Alors, pourquoi Thora a-t-elle laissé à Cumberside des objets qui lui appartiennent? Bah, elle a laissé des cadeaux de Carmichael, ça c'est le constat. Mais pourquoi elle a fait ça? Thora a laissé une lettre derrière elle. Et Thora Gray est restée pour régler les affaires de Carmichael. Non, c'est pas ça. Ah oui, il y a le coup de la dague qui manque dans le présentoir. Thora ne veut pas être accusée de vol. Oui, ça se comprend. Effectivement, les objets que Thora Gray a laissés proviennent de la collection de Sir Carmichael. C'est certainement lui qui les lui a donnés. Mais elle a préféré les abandonner que prêter le flanc au moindre soupçon de vol. C'est compréhensible quand on sait à quel point Lady Clark se méfie d'elle. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Je n'arrête pas, Poirot, je n'arrête pas. Ça bouillonne dans mon cerveau, c'est horrible. Alors, Thora est-elle une empoisonneuse? Et pourquoi elle aura empoisonné... Là, je comprends plus. Attends, je... Ah, Thora. Donc, elle serait une experte en art. Ou histoire de l'art. Donc, elle est devenue, apparemment, bien malgré elle, l'amante du petit frère de la victime. Bon, qui est richissime, là. Qui est fan de la Chine. Pourquoi elle aurait été avoir un intérêt à être une empoisonneuse? Ah oui, pour tuer la sa belle sœur. Eh oui. Oui, la femme de la victime, le grand frère. Pourquoi elle aurait eu intérêt à tuer sa belle sœur, elle? Attends, je réfléchis, je me mets à sa place. Je vois pas qu'est-ce qui la motiverait à tuer sa belle-sœur. Bon, je comprends qu'il y ait de l'antipathie et de l'animosité entre ces deux-là. Mais de là en arriver au meurtre, ça justifie pas de telles motivations. C'est horrible. C'est horrible. Quand tu veux tuer quelqu'un, c'est que tu veux l'empêcher de parler sur une vérité que lui connaît à ton insu, ou que tu désires t'accaparer quelque chose qui lui appartient. Je pense pas qu'elle soit psychopathe et qu'elle tue pour le plaisir. C'est dérangeant, là. Là, il y a des questions qui sont dérangeantes. Pourquoi... Je vois pas quel intérêt, quel mobile elle a à empoisonner sa belle-sœur. L'argent et s'accaparer tous les biens en faisant de son concubin le seul héritier de la famille. Si ça c'est vrai, ça veut dire qu'en essayant d'empoisonner sa belle-sœur... Ah mais c'est vrai, la belle-sœur m'a dit qu'elle l'a surprise en train de s'entretenir avec un homme qui était tout sauf un gentleman. Elle aurait un lien avec l'assassin
qui aurait exécuté son frère, le grand frère de son concubin. Ah, ça se tient. Ça se tient. Elle s'occupe d'assassiner sa belle-sœur pendant qu'elle commande l'assassinat de son beau-frère. Pour s'assurer que son concubin soit l'unique héritier. C'est abject, mais ça se tient. Elle est peut-être une empoisonneuse, elle est peut-être complice du meurtre de l'abécédaire. Ah ouais, ce sera un crime crapuleux, dis donc. Alors, attends. Thora a laissé une lettre derrière elle. Attends, la question est, est-elle une empoisonneuse? Elle a laissé une lettre derrière elle. Il y avait un rat empoisonné sur les lieux du crime. Pas faux. Thora avait commandé de la mort au rat. C'est vrai. Lady Clark pense que Thora Grey a cherché à l'empoisonner. Ouais, c'est troublant ça. La lettre du docteur Logan stipule que Lara n'a plus qu'un an à vivre. Lady Clark pense que Lara est une manipulatrice. Non mais en même temps, la lettre du docteur Logan, je doute que Thora en ait eu connaissance. Ah mais, non mais je suis con, c'est son amant qui lui a dit que sa belle-sœur était mourante. Il lui a obligatoirement confié, il peut pas lui cacher ça. Alors attends, il y a le rat mort, il y a Thora qui avait commandé de la mort au rat, et la belle-sœur Lady Clark pense qu'elle a été victime d'une tentative d'empoisonnement, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ou alors, Lady Clark pense que Thora Grey est une manipulatrice. Non, c'est pas ça. Non, alors le fait qu'il y ait un rat empoisonné, on s'en fout. C'est le fait qu'elle soit une manipulatrice et qu'elle pense avoir été empoisonnée. Non plus. Alors c'est pas qu'elle ait commandé de la mort au rat, mais qu'il y a un rat... Je comprends plus. Oh, mon cerveau, il devient fou. On recommence. Thora est-elle une empoisonneuse? C'est bizarre, ça. Mais tu vas pas me dire que c'est parce qu'elle a laissé une lettre derrière elle, que le docteur Logan stipule qu'elle a plus qu'un an à vivre et qu'elle a commandé de la mort au rat, que ça fait d'elle une empoisonneuse. Oui, c'est complètement con. Pardon. Alors là, j'avoue que je clique au pif, ce qui est complètement débile. Mais je comprends plus. Les trois éléments là? Non. Je pige plus rien. J'ai quatre preuves matérielles, mais... Non. Ça n'a pas de sens. Attends. Qu'est-ce qui peut permettre de déduire que Thora est une empoisonneuse? Elle a commandé de la mort au rat. Ça, c'est quand même troublant. Il y a les déclarations aussi. Elle pense qu'elle cherche à l'empoisonner. Non. Preuve matérielle. La lettre du docteur Logan stipule que Lady Clark n'a plus qu'un an à vivre. Mais ça, c'est une contradiction. Elle va pas appliquer la mort au rat à sa belle-sœur, sachant qu'elle a plus qu'un an. Putain, merde. Non, c'est pas ça. Ah si. Thora Grey n'a jamais songé à empoisonner Lady Clark. Thora Grey n'avait aucune raison de tuer une personne qui n'avait plus que quelques mois à vivre. Bon, là je suis d'accord. Le poison qu'elle a commandé est destiné aux rats. Le jardinier en a fait bon usage, si j'en juge par le cadavre qui empeste le sentier, non loin de la propriété. J'en ai terminé avec ce lieu. Je devrais ranger le passe-partout et prévenir Hastings que je rentre sur Londres. Alors, je suis d'accord avec Poirot. Mais il n'empêche
Oh! Je suis retourné sur la plage, dis donc. Oh, ils ont mis un crucifix en sa mémoire. Ils ont pas perdu de temps. Tiens, c'est quoi l'horizon? C'est un rocher? Ah oui. Puisses-tu trouver la paix, Carmichael, Charlotte? Eh bien. Oui, donc je sais plus ce que j'étais en train de me dire. Oui, donc elle a pas tué sa belle-sœur parce qu'elle savait finalement très bien qu'elle était condamnée à mourir d'ici un an. Bien qu'elle aurait pu avoir le mobile, la motivation d'éliminer sa belle-sœur et son beau-frère pour toucher l'héritage indirectement par l'intermédiaire de son concubin, qui était le petit frère de la victime. Bizarre. J'ai des questions sans réponse dans mon esprit par rapport à cette affaire. Moi, je pense que l'assassin, c'est un employé de la société pharmaceutique, ou alors il a eu accès au registre client de la pharmacie, enfin de l'entreprise pharmaceutique, puisque les trois meurtres sont liés à la gorge. Appeler, oui. Je devrais ranger le passe-partout, ah oui, et prévenir Hastings que je... Oui, le passe-partout, on va ranger le passe-partout. Attends, il se range où le passe-partout? Oh, la lettre. Ces documents sont peut-être importants si on a cherché à s'en débarrasser. Tu m'étonnes. J'avais complètement zappé les fragments de lettres cramées. Des feuilles brûlées trouvées dans le jardin du manoir des Clark, je suis certain que c'est l'œuvre du tueur. Leur contenu est primordial pour l'enquête. Ah, c'est pas à moi de reconstituer le puzzle? Ah, il va le donner à Hastings à Londres. D'accord, il y a une équipe qui va s'en charger. Oh, bah s'il y a des amoureux des puzzles, tant mieux. Ce passe-partout va m'être très utile pour ouvrir les serrures qui me résistent encore. Ah, une clé passe-partout trouvée dans le hall des Clark. Il faut que je retourne dans le hall ranger la clé. Téléphoner à Hastings. Oui, mais... Comment je fais pour... Ah, ici? Non. Je suis dans le hall. Où dois-je mettre le passe-partout? Là? Non. Mais il était où le passe-partout? Il était accroché au mur, il y a un crochet, c'est où? Ah non, il était dans la gueule de la... Mais merde, mais quel con! Mais bien sûr! J'avais oublié, c'était dans la gueule! Ou c'était là? Ah non, c'était là! Oui, c'est vrai. Parfait. Plus rien ne me retient ici. Voilà, c'était dans l'épisode précédent. J'avais oublié. Excellent ce jeu, excellent. Alors, je vais appeler Hastings. Allô, Hastings?
J'ai fini à Churston. Je prends le premier train. Dites-moi, savez-vous comment on restaure l'écriture sur un document brûlé? Oui. Il suffit d'imbiber un chiffon d'une solution d'acide chlorhydrique et de frotter la feuille. Les caractères apparaissent alors. Vous m'êtes d'un grand secours, Hastings. Auriez-vous l'obligeance de commander cette solution dans les plus brefs délais? Certainement. Mais quel document voulez-vous lire? Vous verrez, mon ami. À ce soir. Ah, révélation. Mais qu'est-ce qu'il fiche là, lui? Bon, j'ai retrouvé son nom dans l'étude de terrain de la troisième victime, mais quand même. Pourquoi je peux plus rien faire? Pourquoi c'est buggé? Non! Le jeu a buggé! Non, déconne pas, merde! Attends, tiens, d'ailleurs, je vais ranger ma note de... d'énigme. Ah merde, ça crache! Bon bah j'arrête l'enregistrement, je reprendrai plus tard. Oh merde, j'espère que ça a pas corrompu ma sauvegarde.